Salut mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un secret pour mémoriser les tables de multiplication de 6 jusqu'à 9. Donc, il y a un secret pour les tables de multiplication. Mais tout d'abord, il faut bien étudier les tables de multiplication de 2 jusqu'à 5. Donc, regardez, ce sont mes mains. Chaque doigt dans ma main, il y a un numéro. Possède un numéro. Chaque doigt possède un numéro. Ce doigt, c'est le doigt 6. Ce doigt est le doigt 7. C'est le doigt 8, 9, 10. Encore dans l'autre main, donc ce doigt a un numéro 6, 7, 8, 9, 10. Donc, chaque doigt possède un numéro, soit à calculer 9 fois 7. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, regardez ici. C'est quel nombre 9? Donc, je ferme jusqu'à le nombre 9. Je ferme mes doigts jusqu'à 9, comme ça, regardez. Donc, je ferme jusqu'à 9. Donc, 9 fois combien? Fois 7. Donc, je ferme ici jusqu'à quel nombre? Est-ce que je ferme jusqu'à 8? Non, je ferme jusqu'à 7, comme ça. Chaque doigt fermé représente une dizaine. Donc, chaque doigt fermé représente une dizaine. C'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, j'additionne les doigts fermés. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maintenant, combien de doigts ouverts ici? 1 et ici. Combien de doigts ouverts? Je compte les doigts ouverts ici. 1, 2, 3. Donc, j'additionne les doigts fermés comme des dizaines et je multiplie les doigts ouverts. Ici, combien de doigts ouverts ici? 1 et ici 3. Donc, je dis 1 fois 3, c'est 3. Puis, j'additionne 60 plus 3, c'est 63. Donc, 9 fois 7, c'est égal à 63. Je répète mon secret maintenant. Pour les tables de multiplication, soit à calculer 6 fois 7. Donc, on a dit que chaque doigt a un numéro 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je ferme. Donc, on a 6 fois 7. Donc, je ferme le doigt jusqu'à 6. Je ferme 6. Donc, le doigt fermé représente une dizaine. Ici, je ferme jusqu'à 7. Donc, chaque doigt fermé représente une dizaine. J'additionne 10 plus 10 plus 10, c'est 30. Maintenant, je multiplie les doigts ouverts. Je compte combien de doigts ouverts ici? 1, 2, 3, 4. Et combien de doigts ouverts ici? 1, 2, 3. Je multiplie les doigts ouverts ici 3. 4 fois 3, c'est égal à 12. Puis, j'additionne 30. Plus 12, c'est 42. Donc, 6 fois 7, c'est égal à 42. Donc, c'est une nouvelle méthode pour mémoriser les tables de multiplication de 6 jusqu'à 9. Bravo, mes élèves. Merci. À bientôt.